Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 20 juillet, j'allais dire 20 janvier, pas du tout Sarah. 20 juillet 2022, c'est aujourd'hui l'ouverture officielle de l'Avengers Campus au Walt Disney Studio. Bien évidemment, je vous emmène avec moi, je serai avec Monsieur Toon notamment. Je vais pas tarder à partir de chez moi pour le rejoindre, il est très tôt, il est 6h du matin, je me suis réveillée à 5h. Je n'ai pas dormi à cause de la chaleur, ça promet d'être une journée très sympa. J'ai pas fini de me maquiller, je finirai de me maquiller dans le train. Comme vous pouvez l'entendre, il pleut. Donc étant donné les conditions météorologiques, je ne sais pas ce que ce vlog va donner parce que ma caméra n'est pas waterproof. Je vais essayer de vous faire un maximum de contenu, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker ce petit vlog et à vous abonner, bien évidemment. Ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est parfait. Et sur ce, et bah, c'est parti. Le petit outfit, j'ai mis le petit t-shirt de dimension chaos, voilà. Le Wanda qui est parfait, qui est magnifique. J'ai mis une petite chemise juste histoire de sortir parce qu'il pleut, mais voilà. Petite chaussette, petite Vans. Nous sommes parés. Nous y allons. Attends, il y a Maxime sur moi. Hola, Kétal. Monsieur Toon est là, un temps de qualité. Bon, ça va, la Edonneur, c'était sympa. Ça m'aide à l'ambiance. Un gang de parapluies, c'est insupportable. En plus, mais moi, ce qui est chaud, c'est que je suis 1m2. Du coup, après, je suis dans l'entre-deux. Tu vas monter la perche. Attends pour rentrer dans le land, c'est blindé. La pluie, on adore, tout ce qu'il faut. Du coup, voilà. Je pense pas qu'il faudrait être tout le temps sur la caméra avec la pluie si ça ne s'arrête pas, mais on fera au mieux. Bonne humeur malgré le temps, vraiment pas ouf. On va continuer cette journée avec le sourire et tout ça, avec les copains, c'est super cool.
commencer par Flight Force. Se réveiller, voilà. Ah, c'est dur, les avant-premières passes annuelles, on est à 0 minute d'attente. Ouais, là on a 25, franchement ça fait un peu long. Ça vient d'ouvrir. Bien bugué quoi. Ah mais un freinage Franchement ça va pas ma chérie quoi. Moi je mets un 4. Je mets un 4 en fait. Parce que c'est pas possible en fait. Non franchement c'était cool, ça a bien réveillé. Putain la flotte par contre ouais, sur ma caméra ça va faire. On attend pour réserver au training center. Après on est un peu Au moins l'avantage de... Par contre chose historique, il n'y a que 20 minutes d'attente à Crush Coaster, c'est incroyable. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda, ou ce puits extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speedrobots, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Ah, parce qu'ils sont incroyables. Arrête. C'est dommage parce qu'on était troisième quand même. On était troisième dans l'heure, mais il y a du bug. Ouais, genre nos toiles, elles partaient pas, donc c'était grave dommage. Donc je pense, franchement, je pense qu'on aurait fait péter le million. Ah mais oui, mais clairement. Largement. Parce qu'on a été bons joueurs. Franchement, ouais, très très bons joueurs, vraiment. Des joueurs satisfait du score. De qualité, vraiment. Donc c'était cool ce qu'on a fait en prioritaire, donc ça c'était très sympa. Donc ouais, il y a des petits bugs, mais... On a évité quand même 2 heures d'attente. Ouais, grave. Bon, comment vous dire que c'est quand même appréciable. Ouais, grave, voilà. Donc bon, on va pas trop se plaindre du bug. Voilà. Puis on a été troisième dans l'heure. On adore, c'est parfait. L'ouverture, on est exigeant. Ouais. Tel des passes annuelles insupportables. Ah oui, sinon moi-même je me dislike. Bon, on va continuer. L'autre partie de l'équipe va aller faire l'attraction. Et nous, on va patienter en attendant. J'avoue que j'ai faim. Il n'y a pas assez de snacks, ça qui est dommage. Mais voilà, là, il y a des petits happenings et tout. Il y a des petits shows, c'est plutôt sympa. La pluie s'est arrêtée, mais quel bonheur, les amis. Donc voilà, on va attendre. C'est pas mal, Bruno. Hey gamin, t'as cru que c'était la récré? Tu devrais pas être au labo. Oh, salut monsieur Stark. J'étais en train de m'échauffer. J'entends le vent. T'es pas en train de t'échauffer, t'es... Thank you.
jamais. C'est parce qu'il est toujours pas muet, c'est ça? On est plus à ça après. Faut rentabiliser, hein. Ah ouais, donc ouais, mais faut rentabiliser, là, là. 42 moi, je mange pas à Bim, hein. Moi, je vais juste manger mon petit sandwich. 42 euros, on rentabilise, hein. Bonjour. Merci. Merci. Bonjour. These are my friends. Yeah. How do you like our superhero team? Est-ce que vous avez des super héros aussi? Bien sûr. Yeah. Who's the leader? Qui est le leader? C'est moi. Kevin. Il a le t-shirt. C'est un t-shirt. Oh. And I need the brain. Yeah. Est-ce que t'as un cerveau? No. I'm stupid. He's done. But you forgot the glasses, the wet glasses. You got the your eyes. Décalez-vous du coup. Eh oui. Voilà, resserrez-vous un petit peu s'il vous plaît. Ok. 1, 2, 3. Super. Reprends les bras. 1, 2, 3. Attention, récupérez vos affaires. On sort du training center, donc comme vous avez pu voir, j'ai laissé la caméra pour filmer un peu la rencontre et tout, c'était super cool. De ce qu'on a vu, les photos rendent plutôt bien, donc après je les enregistre et je pense que je les mettrai sur Instagram. Mais non, franchement, c'était super sympa, c'était un très bon moment. Le micmac des réservations, c'est bon, on est passé tous ensemble, il n'y a pas eu de soucis, donc ça va. Là, par contre, la queue, c'est vraiment plus possible. Dans une heure, ils ont leur réservation pour le Pink Kitchen. Moi, je pense que je vais aller juste derrière, là, au Super Diner, je pense que je vais aller là, comme ça. Je goûterai autre chose parce que j'ai déjà fait le Star Factory du coup. On a peut-être fait un peu d'une heure à patienter. Bah, du coup, je me retrouve au PIM. On a négocié pour ajouter une personne à leur réservation et ils ont accepté. Donc bah, je vais tester, ça va être une grande première. J'ai trop hâte, j'ai très très faim. Le restaurant est plutôt canon. Du coup, bah, je vais vous montrer tout ça et voilà, je suis super contente. Du coup, est-ce que vous avez déjà fait des démissions aujourd'hui? Oui, vous avez des... Web et Flight Force. Vous avez sauvé des missiles. C'était vous. Ah, alors, merci beaucoup. Bien sûr. Ce matin, je suis arrivé au travail, je me suis dit, il y a des missiles. Il fallait vraiment que vous veniez. Sans vous, on aurait été, mais alors, ça a été la catastrophe. Des étoiles avec Spidey. Alors, il va falloir y retourner parce qu'il y a quelques Spidey.
Spider-Bot qui traverse le tuyau en haut. Il nous vole la nourriture. Donc si vous voulez manger, il va falloir retourner. Je suis désolé. Ah. Et ce qu'on a, regardez, j'ai trois surprises pour vous. Ce matin, on a voulu faire une expérience. On a trouvé des bretzels dans une sélection bleue. Ils sont devenus beaucoup plus grands. Donc du coup, ce sera votre pain pour aujourd'hui. C'est la particule bleue, exactement. Oui. Du coup, on va tester une expérience aussi. Ça s'appelle le chardonnay bleu. La seule petite chose, je dirais, c'est que c'est un peu mal organisé, entre guillemets, genre il n'y a pas de sens de fil ou quoi, c'est un peu éparpillé, mais sinon c'était quand même très très bon. Vous avez beaucoup de monde à Web, mais enfin là il y a 2 heures de queue. Par contre, la Flight Force c'est vide, il y a encore du monde pour entrer dans le land, mais voilà, je pense qu'on va un peu chiller et poursuivre notre journée dans la ville. On a vu plein de petits shows, tout ça. On a refait une dernière fois Flight Force, moi je vais y aller, je vais dire au revoir à l'équipe. Moi je vais vous quitter, ce n'est qu'un heureux. Et merci. Bah ouais, mais moi je suis fatiguée. Moi demain je commence à 7h. Bah demain je commence à 9h. Bah ouais. Un peu plus tôt que ça. Déjà nous n'avons pas la même vie. À bientôt tout le monde. À bientôt, à dans un an. Oui, à dans C'est l'air de rien, ça faisait un an qu'on s'était pas vu. Ouais. On n'a pas le temps. Et le Covid aussi. Le Covid a joué beaucoup. C'est calmé, c'est vraiment une excuse. C'est une excuse à toi, en fait. Ouais, grave, mais c'est fini le Covid. Enfin, c'est sûr que t'es terminé, le Covid. Mais voilà. Bon, moi, je vous fais des bisous. Bisous. À l'équipe. Et au revoir deux. Arnaud n'était pas là pour la conclusion. Bah, voilà. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir connu. Ouais, franchement, c'était très sympa. Ah, c'est une bonne journée. On a passé. Ouais, c'est en plus l'aéroque. Ouais. Très sympa. Non, mais c'était grave cool. Et on a bien mangé. C'était très sympa. Et encore la nuit. Oui.
Vas-y, incrusté de... Ah, presque, ouais. Ah non, toujours pas. Ah, voilà, c'est beau. Mais merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine, j'espère. On a en fait une troisième parce que le mien n'était pas là. Je ne peux pas revenir à tout ce temps encore. Allez, la dernière. Allez, merci de m'avoir laissé m'incruster sur la réservation. Merci beaucoup, c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir, malgré la pluie qui est de retour. On a passé un bon moment. Ouais, voilà. Une journée de qualité. Franchement, voilà. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Du coup, j'ai quitté l'équipe, donc moi je vais rentrer chez moi. C'était franchement une bonne journée malgré la pluie, tout ça, tout ça. On voit vraiment que le mauvais temps, ça a causé un bordel monstre, tu vois, enfin, pour l'ouverture de l'Avengers Campus. Et là, dès que le beau temps est revenu, ça y est, genre, c'était quand même mieux. Enfin, le land était quand même plus vivant. Parce que du coup, bah, qui dit pluie dit pas de happening, pas de personnage qui sort ou quoi que ce soit, donc c'est un peu compliqué, mais là après ouais ça a été. Donc non, franchement je suis très contente de la journée. Je pensais pas manger au Pink Kitchen et au final bah j'ai réussi à y manger, je suis très contente, franchement c'était super cool, ça m'a fait grave plaisir. Puis au moins voilà, je vais faire un autre restaurant, donc ça c'est plutôt sympa. Et, très contente de cette journée, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir, à vous abonner. Et si j'y pense, je mettrai les Insta, chaîne, tout ça de tous les copains qui étaient là. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire un petit vlog à Disneyland Paris. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Salut!